Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Je suis le YouTuber Jeff Woman Paradise. Aujourd'hui, 10 juin 2021. Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le ciel de la ville de Lille. On parle d'une éclipse solaire qu'on pourra observer à 15% entre 11h15 et 13h15. Ça tombe bien parce que c'est là que j'habite. J'y vis depuis 46 ans. J'ai pas besoin de voyager et j'ai pas besoin de payer quoi que ce soit pour assister à cet événement-là. Regardez derrière moi ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le beffroi de la Nouvelle Bourse. Je me trouve donc sur la Grand Place de Lille. Ici, vous avez la déesse de la place du Général de Gaulle. Et regardez toute la place derrière moi. Le ciel est bleu. Le ciel est dégagé. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas assister à cet événement. Mais attention, pour assister à un tel événement, il faut vraiment s'équiper. Il faut protéger ses yeux. Ça veut dire avoir des lunettes de soleil certifiées par les normes européennes et ensuite avoir en plus des lunettes spéciales éclipse. Donc je vais aller m'équiper et après on va voir ce que ça donne. Je vous montre ce que j'ai trouvé comme lunettes de soleil. Donc, voici les lunettes que j'ai trouvées. Et ce que je veux vous montrer absolument, c'est ce qui doit être indiqué ici. Est-ce que vous voyez là, ce qui est marqué ici, CE. Ça veut dire que les lunettes sont vraiment conformes à la législation européenne. Donc avec ça, vous pouvez vraiment vous balader toute la journée en plein soleil, vos yeux ne risquent rien. Par contre, j'ai parcouru plusieurs magasins ici à Lille, plusieurs magasins qui étaient cités dans un article qui franchement a dit n'importe quoi. On m'avait dit d'aller à Nature et Découverte parce qu'ils vendaient des lunettes spéciales Eclipse. Donc si bien les deux magasins, celui de la Grand Place et celui de Ralille, n'en vendent pas. Ils estiment que l'éclipse solaire n'est pas assez importante ici à Lille pour devoir vendre ce genre de lunettes. Je suis allé aussi chez d'autres opticiens et ils n'en ont pas reçu non plus. Donc je me retrouve qu'avec ces lunettes-là. Du coup, moi ce que je vais faire, je vais filmer le soleil et après je vais faire mon montage vidéo. Mais je ne vais pas regarder le soleil pendant 2 heures en pleine face. C'est impossible, sinon je vais devenir aveugle. Et maintenant que je suis assez bien équipé pour résister au soleil, pour être protégé du soleil, j'ai ma casquette, j'ai mes lunettes de soleil, j'ai trouvé un bon endroit pour filmer l'éclipse solaire à Lille. Vous pouvez liker ma vidéo de deux manières, je n'aime pas ou j'aime. Laissez-moi vos avis positifs ou négatifs sur ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Je suis à Euralille numéro 2, un nouveau centre commercial qui s'est ouvert juste en face d'Euralille. Ici, vous voyez la grande tour du Crédit Lyonnais en forme de L. Pour représenter le L de Lille. Ici, vous avez la deuxième tour au-dessus de la gare TGV de Lille. Donc l'un comme l'autre sont tout au-dessus de la gare TGV de Lille. Et ensuite, regardez le parc de la place François Mitterrand. Regardez comme le ciel est bleu, magnifique, dégagé. Et donc, certainement que l'éclipse solaire
pourra être merveilleuse. Après, à 15%, qu'est-ce qu'on va voir? Moi-même, je ne sais pas. Donc, c'est la surprise. On va profiter du spectacle. Vous pouvez liker ma vidéo de deux manières, je n'aime pas ou j'aime. Laissez-moi vos avis positifs ou négatifs sur ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos.